En premier lieu, préparez votre suspension cellulaire. Détachez vos cellules, comme à votre habitude, en utilisant une solution enzymatique. Réalisez une expérience de migration cellulaire avec le système Excelligence DP et tout ce qu'il y a de plus facile. La station se positionne dans l'étuve, connectée par un câble à l'ordinateur, et propose trois emplacements pour des plaques de 16 puits pouvant être lues de manière simultanée ou indépendante. Pour exemple, nous suivrons la migration en dynamique d'une mini-murine de carcinome mammaire utilisant l'interleukine 4 et l'interleukine 6 comme chimio-attractant. Le marquage de vos cellules n'est pas requis et les données sont enregistrées automatiquement en temps réel dans des conditions physiologiques de culture. Une plaque spécialisée, appelée SIM plate, sert de support la chambre supérieure contenant la suspension cellulaire alors que la chambre inférieure est remplie avec le chimio-attractant. La chambre supérieure est formée d'un tapis d'électrodes juste en dessous de la membrane de séparation qui mesurera le signal d'impédance. De ce fait, les cellules migrantes, attirées par le chimio-attractant, passeront à travers cette membrane pour adhérer sur le tapis d'électrodes, induisant une modification des valeurs d'impédance. Pour monter la SIM plate, placez la chambre inférieure sur le module d'assemblage et ajoutez le milieu contenant le chimio-attractant dans chaque puits. Le dôme de liquide observé assurera une jointure correcte et sans bulles entre les deux chambres. Montez la chambre supérieure sur la chambre inférieure. Ajoutez le milieu sans chimio-attractant dans les puits de la chambre supérieure pour homogénéiser la membrane. Placez la SIM plate dans la station DP à l'intérieur de l'incubateur et laissez la membrane s'équilibrer. Avant d'ajouter les cellules dans la chambre supérieure, une mesure rapide du bruit de fond avec la SIM plate remplie de milieu de culture est effectuée. Resuspendre la préparation cellulaire et déterminer le nombre de cellules viables. Le comptage précis de votre échantillon est un point crucial. Il sera déterminant pour la qualité et la reproductibilité des résultats. Enlevez la SIM plate de la station et ajoutez la quantité de cellules souhaitées dans la chambre supérieure. La densité cellulaire optimale pour un essai de migration dépend du type cellulaire et du protocole expérimental. Transférez la SIM plate avec les cellules dans la station DP à l'intérieur de l'incubateur et lancez l'acquisition via le logiciel installé sur l'ordinateur. La migration cellulaire est observée en temps réel. Alors que les cellules passent à travers la membrane, un très faible courant alternatif parcourt le réseau d'électrodes sans affecter le statut et la viabilité des cellules. La valeur d'impédance détectée sera directement proportionnelle au nombre de cellules migrantes qui ont adhéré sur le tapis d'électrodes. Dans cet exemple, nous observons une migration cellulaire induite par l'interleukine 4 et légèrement diminuée par l'interleukine 6. L'analyseur Excelligence DP offre une simplicité de la méthode, une reproductibilité des résultats pour vos essais de migration cellulaire, par une lecture dynamique, en temps réel et sans marquage.